Normalement, c'est recordé. Yo! Yo tout le monde! Yo! On se retrouve pour un let's play sur Pokémon Diamant que j'avais annoncé. Qui a mis beaucoup de temps à arriver pour toute simple bonne raison, c'est qu'il y avait la rentrée. Et vu qu'il y avait la rentrée, eh ben je n'étais pas à 100% capable de me trouver un emploi du temps. Enfin, trouver un créneau, on va dire, pour record, parce que l'emploi du temps est très complet, même si c'est il y a que le samedi matin, là, il est compliqué à la maison. Et donc là, j'ai la possibilité hein, de record, donc du coup, je vais essayer de record un épisode, voire deux, pour voir. Alors, c'est un truc très spécial, hein, de vlog, enfin, oui, parce que c'est pour ceux qui ne savaient pas, boum, voilà, je vous le dis, c'est un Nuzlocke Challenge, on va faire un Nuzlocke Challenge sur. Pokémon version Diamond. Alors pourquoi Pokémon version Diamond? Parce que toujours vous voulez Pokémon version Diamond. Et pourquoi justement version Diamant et pas genre version évidemment pas le plus ultime, hein? Parce que simplement c'était celle que j'ai le plus joué, c'est la cartouche que j'ai le plus joué avec ma version or. Et version or peut être très intéressant à faire en Nuzlocke, surtout qu'elle est très très longue et tout le bazar. Alors moi qui suis-je? Suis-je un garçon ou une fille? What is the question hein, quand même? Alors, je suis donc un garçon, en effet, parce que j'ai inversé mes touches, hein, donc sinon j'aurais pris la demoiselle. Donc on va être galant. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Pardon. Smoothie. Ah, plein de goût, hein, ça arrive. Hein, le problème du direct. Alors, pour le magnifique template que vous voyez ici présent, il m'a été fait par Fabien. Par Fabien, et je mettrai d'ailleurs le lien de sa chaîne dans la description parce qu'il a vraiment d'excellents templates. Et comment je m'appelle je vais m'appeler comment? Bah, je vais m'appeler. Comment je m'appelle? Même pas comment je m'appelle, c'est pas. C'est comme souvent, ouais, je m'appelle code barre, hein, code barre, hop. Non, même pas un code barre, c'est même pas drôle. Il y a quoi comme autre? Eh ben écoute, je vais m'appeler inconnu à cette adresse. Attends, c'est cette touche là. Je vais configurer mes touches au dernier moment. Faut que je m'y habitue. Voilà, je vais m'appeler inconnu. Oh putain, vote pour Lucie si ça fait plaisir. Alors, on peut même pas se renommer avec un nom de nom en fait. Alors. Alors lui c'est mon ami, donc comme c'est un très bon ami, je vais l'appeler Charles. Ah non, je vais l'appeler Bidon. Je vais l'appeler Bidon. Bidon. Hop, voilà, je vais l'appeler Bidon. Il s'appelle Bidon. Alors oui, comme je le dis, il sera un magnifique Nuzlocke Challenge. Oui. Ce sera un Nuzlocke Challenge, mais là on va dire que c'est un épisode de commencement, puisque au début, vous savez, on n'a pas de Pokéball, on n'a pas de. Enfin, on a que le starter normalement, je croise des Pokémon qu'on pourra pas capturer, donc je dirais que cet épisode est un épisode 0. Voilà. On va faire un épisode qui va durer jusqu'à ce qu'on récupère les Pokéballs à peu près. Alors bon, ça va être long, ça va être chiant, comme tout jeu vidéo de type début. Parce que oui, tous les jeux de Pokémon quoi, au début sont très 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 très, très chiants. Et évidemment, ne facilite pas la tâche. Alors, évidemment, les rythmes de challenge, je ne vais pas vous les répéter parce que je pense que vous, qui êtes très spécialiste dans le milieu, vous ne les connaissez tous par cœur et que vous n'en avez donc pas besoin que je vous les répète. Et donc, du coup, je pense que vous aurez tout à fait la possibilité de regarder dans la description parce que même moi, je ne les connais pas de tête. Donc, je vous les mettrai dans la description. Déjà, je vous crois qu'il y a il y a 2-3 configs à faire déjà. Alors, option. Alors, déjà, on va mettre ça là. Anime des combats. Putain, je confonds mes touches. Anime des combats. Oui, on va le mettre. Alors, c'est un style défini déjà. C'est pas un style comme ça. Alors, voilà. Fenêtre, on va mettre une fenêtre un peu plus sexy quand même. Va pour celle-là. Mais. Je vais ma vie, vous savez. Combat style défini. Hop. Ah, c'est bon. Bon, je galérais au début, je pense qu'avec merde, avec les touches. Ok. Alors, il n'y a pas de possibilité à récupérer de potions.
crois pas. Le bidon, il est venu me voir, c'est super. Ah, évidemment, on va essayer de... Oh. Oui. Ya, choucroute. Alors, on va essayer... Alors, évidemment, là, comme vous savez, comme tout bon starter, comme tout bon Nuzlocke, pardon, on va toujours capturer le premier Pokémon zone. Et si on l'a déjà, bah on va attendre que ça tombe sur un autre. Par contre, si évidemment, on est... Évidemment, on tombe sur un Pokémon de type qu'on avait pas, donc on peut capturer. Évidemment, c'est toujours prendre un Pokémon de la zone, à part si on l'a déjà, même s'il est mort. Alors, cas exceptionnel, si jamais je tombe sur un Shiny, chose qui n'arrivera pas, parce que je ne m'appelle pas Fabien, je n'ai pas 3 Shiny le jour. Je n'ai pas 3 Shiny le jour, et donc du coup, je n'aurai pas cette chance immense de trouver un Shiny. Et là, par exemple, par là, je tombe sur un Shiny en tant que starter, ce serait des couilles énormes, mais bon. Donc du coup, on est là, c'est trop bien. Ah oui, c'est Pokémon Diamant, donc là, on va pas affronter le rival dès le niveau 5. Donc officiellement, je vous le dis, cet épisode-là, il n'y a rien de Nuzlocke, on va pas capturer de Pokémon à part le starter. D'ailleurs, je sais même pas comment je suis dans mon starter. Est-ce que j'ai un lancer de dé sur ce téléphone? Excusez-moi. Je vais voir si j'aurai pas un lancer. Oups. Je vais voir si j'aurai pas un lancer de dé. Comme ça, je pourrais. Parce qu'on va pas jouer dans son propre starter, ce serait pas drôle. Hein. Écoutez. Alors, mon lancer de dé. Alors, je pourrais pas l'afficher, malheureusement. Attends, est-ce que j'ai un lancer de dé virtuel en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? What is the question? It is a good question. Pas que j'en ai un, fléché. Ah, c'est casse-pied. Bon. Alors, voilà. C'est quel jeu qui est dans ma DS? Il y a un jeu que je crois que j'ai lancé des virtuels. Ah, c'est celui-là. Chut, tant pis. Bon, c'est pas grave. On va choisir... Attends. Là moi je vais choisir le starter, mais ça c'est chiant. Du coup parce que exactement si je prends Whiskycrunch je facilite le jeu. Si je prends Tiplo je me fais un jeu classique. Si je prends Tortipo c'est que je prends le hardcore challenge. Donc en sachant que je sais que tout le monde dit prends le hardcore, et ben moi je vais pas mieux. Mais alors on va d'abord, voilà, on se fait attaquer par des Pokémon sauvages de type très méchant. Du coup on ouvre la mallette. Alors là, je vais vous laisser 2 secondes. Je vais aller voir sur internet pour retrouver un lancement de dés virtuel. Et ensuite, on verra. Attendez, voilà. Je reviens. Re les potes, alors. On va lancer un dé, donc me permettez-vous. Alors, on va faire. C'est les lots du direct. C'est le lot du direct en problème. Alors, on est sur Google Chrome. Alors, on va faire vite fait. Hein. Alors, on a un lancement de dés ici. Donc, si on tombe, on se met d'accord. Si on tombe sur du 1-2, on prend Tortipousse. 3-4, ça, on tombera sur. On prendra Whiskycrunch. Et si on fait du 5-6, on tombera sur. On prendra Tiplouf. Donc on va lancer. Et ben on tombera sur un Tiplouf. Donc voilà. Après, c'est l'un de mes starters préférés, Tiplouf. Je vais pas vous cacher. Ah oui, donc oui, c'est écran noir. Donc c'est logique. Bon, allez, c'est parti. On va prendre donc Tiplouf qui est cette balle-là. Oulala. On prend Tiplouf. Alors attendez, je vais virer le truc de X-Bit. Oui, je regarde la Geekspeed pour ceux qui voulaient savoir. On a un pingouin. Alors, on va directement faire comme ça parce qu'on voit le curseur, c'est trop bien. Bah oui, parce que. Mais jadis, hein, sur un display, j'utilisais la version 3G. Donc, du coup, pas de rendu bas, pas d'écran tactile, entre guillemets. Donc, vu que sur ordinateur, il n'y a pas encore le tactile à part sur certains Windows 8. Et ben, on utilise le curseur, des fois, ça peut servir. Moi, c'est de la Ratma, on utilise le curseur pour les concours. Un perco sous le truc. Allez, c'est parti. Là, je vais faire comme ça parce que j'ai l'habitude de les assurer, voyez-vous. Alors là, voyez-vous, on est tellement fort qu'on va à mes tourmis. Ah, on est très très fort. On a un pingouin surtout. On a quand même le pingouin. Et le pingouin, moi, je sais même pas quand je vais le renommer. Non, là, le mec, il arrive comme ça. Putain, on a oublié notre mallette, les gars. On a 20 milliards de pognon dedans. On est déçu, on s'est fait choper par des gosses. Merde. Que fait la police?
Comment va réagir la police, police? Alors, je sais pas où on va exactement, mais on va à un endroit, ça qui est trop bien. Passe devant. Oh, tu le casses là. Voilà. Attends, comment ça? Ah oui, ils font pas les mêmes touches, ça va le faire. Attends, on va donc ça, c'est. Donc ça, c'est X, ok. Ça, c'est B. Donc le normand, c'est Y. Et là, c'est le A. Là, c'est les touches directionnelles, d'accord. Quelle config de merde, quand même! Luca. Ouais, ça s'appelle Luca, Tortipousse, Tiplouf. Bah oui, 2T. Alors évidemment, on va faire le beau jeu, et vu qu'on va faire le beau jeu, on va tenter de rename tous les Pokémon. On va tenter de rename tous nos Pokémon. Dès que possible. On va tenter de rename tous nos Pokémon dès que possible. Alors là, évidemment, on peut pas rename Tiplouf parce que sinon, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Alors. N'empêche que je crois que j'ai une idée pour rename Tiplouf. Oh, je crois que je l'ai même pas. J'avais même pas cette idée en tête. Bon, je vous le dis, j'ai rien cherché. Enfin, j'ai juste demandé à Fabien s'il avait la ROM et s'il pouvait me faire un overlay parce que moi je m'en sortirais pas. Et je pense pas qu'il y aura d'introduction sur l'esprit parce que sinon c'est pas drôle. Alors, je sais pas où on va. Je crois qu'il faut retourner voir pour se ressembler à Littoral qui est. Trois maisons à côté. Alors on va se cacher. Alors on va tuer du Pokémon car il faut XP un petit peu. Ah, parce que oui, je veux pas. Parce que si je fais de l'XP en off, je sais même pas s'il y en a accéléré sur le simulateur. Je crois que d'après Fabien il y en a un. Donc du coup, je ferais peut-être de l'XP en off. C'est pas trop chiant. De toute façon, certains Pokémon je suis obligé. Mais genre, si imaginons je me retrouve avec une seule team. Que... Je crois qu'il me reste un seul. Imagine, il me reste qu'un seul Pokémon et que ce Pokémon traîne dans le PC depuis 5000 avant Jésus-Christ. Et donc, du coup, si il traîne dans le PC depuis 5000 avant Jésus-Christ, il était forcément pas. Oh, attendez. Oui. Merci. Alors, vu que. Imaginons. Toute un team est décédé et qu'il ne me reste plus que Rossé qui est niveau 3 et que je suis actuellement à la 8ème arène. En effet, c'est un petit problème. Du coup, je dois XP Roger pour qu'il monte en niveau et qu'il puisse continuer l'aventure. Il met solo puisqu'il restera à très peu d'endroits. Après, malheureusement, vu que j'ai pas pris Pokémon Platine, il n'y aura pas une seconde ligue à faire. Du coup, pas une deuxième chance de me faire casser la gueule. Je pense que la ligue en niveau ça va être du hardcore. Pas de rappel. Enfin, je vois intelligemment. N'empêche, je crois que c'est pas bien de raison de me laisser un Nuzlocke. Fabien a très bien fait de me conseiller de le faire en Nuzlocke. De base, je voulais le faire en version classique, mais j'avoue qu'on se serait barbé. Hein, on peut se cacher, on sera ennuyé quand même. Donc, du coup, on va le faire en Nuzlocke Challenge. Et le Nuzlocke Challenge, eh ben, c'est compliqué. C'est ça qui est bien. C'est que c'est compliqué. Alors là il y a Lucas et Luca. Alors Luca il va nous faire visiter la ville. Ouais tu vois c'est un labo Pokémon, c'est énorme. Évidemment bidon qui est toujours aussi bidon et qui me rentre dedans toujours. Ah il fait pas visiter la ville tout de suite. Ah sympa. Sympa Luca. Je regarde des mauvais souvenirs de ce genre de mec hein, quand même. Oui, Pokémon super magnifique. Alors, on va lui donner un petit nom à Tiplouf. Alors, j'ai aucune idée. Alors, attendez, j'avais une idée en tête. Je suis pas sûr. Je vérifie juste un truc, me permettez-vous. Ah, on est sur les lois du direct, on est sur la vidéo. De toute façon, c'est ma vidéo, c'est pas vous qui le choisissez comment on va la faire. Ah, il manquera plus que ça, tiens. C'est moi qui décide quand même. C'est moi qui décide. Alors, on va vérifier. Je vais juste vérifier un truc. Attendez. Jure ça passe. Alors on va l'appeler. On va l'appeler.
Il y a le cas. Ah, j'ai une putain d'idée, mon gars. Je te jure que je vais me faire allumer, mais quand elle le sera, mais c'est pas grave. Ah, ça mal, bon, c'est malheureux, hein, c'est malheureux, malheureusement. Je te jure que quand je vais lui dire ça, je vais m'allumer, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, bon, j'ai rien à dire. Mais je suis sûr que tu vois que ça va lui plaire. Trini, mais un pingouin, bon, c'est pas grave. Voilà. C'est ça que je me précise hein, quand même. On a eu Tiplouf qu'on a renommé en Courail, hein, ça va être drôle. Je te jure que ça va être comique. Alors, c'est trop bien, blablabla. Bla, bla. On va parler d'un sujet important. Le Pokédex, très important. Il faut le compléter, très important. Après, il y a de l'annexe aussi avec le Pokédex national quand on l'aura déverrouillé. Le problème, c'est que j'ai vraiment la flemme de vous faire le Pokédex national. Enfin, l'annexe est intéressante puisqu'on peut choper Itran. On peut. Après, je trouve que l'annexe est moins intéressant en diamant que dans Perle Platine. Donc du coup, enfin, bon là c'est diamant. Enfin, dans Platine, l'annexe est beaucoup plus intéressant puisque on retrouve la Team Galaxy. T'as possibilité d'affronter les champions d'arène. Ce que je trouve con dans ces diamants, c'est qu'après la ligue, t'as rien quoi. T'as juste. Bah, tu peux aller vérifier une zone inconnue. C'est très bien. T'as des zones que tu peux vérifier. Alors, on va visiter la ville. En plus, c'est la même musique que dans la saison, hein, si je dis pas, dans la première génération, si je dis pas de conneries. Un peu remixé, évidemment, mais. De toute façon, tous les joueurs de Pokémon savent ça, donc du coup, je pense qu'ils doivent le savoir. À part si vous êtes daltonien, évidemment, c'est très con, je vais pas vous le cacher. Mais, j'ai pas rien. Et merde, c'est ma cadre à un endroit. Non, c'est pas grave, de toute façon. C'est propre, c'est propre. Ah, faudra que j'incluse aussi un autre truc. Alors les potes, alors qu'est-ce qu'on fait? Que fait la police? Et bon, on va aller voir la police. Hein. Salut, c'est la police. Ah oui, ah, faut prévenir la famille avant tout ça. Après, je pense qu'une fois qu'on aura prévu la famille, tout ça, ils seront courants et tout, qu'on va quitter la baraque à 10 ans pour aller choper des bestioles dans la forêt. Hein, qui n'en a jamais rêvé en vrai? Qui n'en a jamais rêvé? Alors, on aurait fait du camping H24, on aurait fait des trucs trop. Ça aurait été trop bien, n'empêche. Pas de colle à aller voir, on connaît des bases, moi je trouve que ça va bien, très bien. Oh, c'est trop bien. Hein. Yo, salut. Eh bon, je vais me barrer, je vais m'acheter des. Je vais chasser des Pokémon, je vais tuer des animaux, les enfermer dans des boules, et que je vais devenir champion du monde avec des bestioles. Avec des animaux. J'en sens de fou. Et ça, c'est ça, la question que beaucoup se disent, que c'est vrai, on va pas se cacher. Qui, de nos jours, à 10 ans, on verrait son gosse comme ça se balader en pleine nature, surtout avec toutes les bornes, tout le bordel qu'il y a, surtout, bon, c'est un bon. Un merde de bidon, ben ouais, c'est un bidon, on va pas se le cacher. Alors évidemment, hein, qui c'est qu'on envoie? On envoie toujours la boniche au service, hein, parce qu'on a des personnes irresponsables qui ne donnent pas tout à leur gosse. C'est ça qui est dommage, hein. Très dommage, on envoie toujours on envoie toujours la boniche au service, hein, c'est que j'aime pas. Alors, ah c'est bon, on peut y aller, c'est formidable. Donc, du coup, on va y aller, hein. Alors le Nuzlocke n'est pas encore commencé, je vous rassure. Alors le Nuzlocke va commencer normalement le prochain épisode, donc une fois qu'on aura été voir Luca, encore une fois. Alors évidemment, on va éviter le spoil. Et puis on va capturer le premier Pokémon de la zone. Alors on tue du Pokémon, mais c'est pour le XP, l'XP, c'est très important, XP très intelligemment. Ah oui, coup critique, je me calme. Je crois qu'il va pas morph. Pas qu'il va pas morph à la même tout à l'heure. Enfin si je veux capturer un Pokémon parce que ça met très mal quand même. Alors évidemment, on marche. Alors évidemment, comme tout début de Pokémon, les combats sont très épiques, hein, à coup de charge, de queue de fer, de charge, de écrase-face, de rugissement, de mimique aussi. Bon, j'ai pas de mimique, ça, sur. Non, c'est rugissement. C'est incandescent quand même. La puissance. Il y a aussi de temps en temps des griffes, attention. Évidemment, donc, c'est ça que j'aime pas en Pokémon, c'est que le début est barbant, tu croises les mêmes Pokémon, tu croises les mêmes attaques, pas de possibilité de faire une stratégie. Tandis qu'une fois que t'as deux badges, tu commences un peu à varier le plaisir. Même si le jeu c'est même un badge ennemi. Quand tu commences à. Quand tu commences à arriver. Faut que tu croises la Team Galaxy par rapport à Marte en fait. Tu commences à varier, tu commences à varier. Oh
Putain, 3 XP à tout casser, c'est pas grave. Ah, pas grave, on va aller voir Luca. Ah ouais, on XP pas sur les captures dans ce jeu. Putain, rendez-nous l'argent. Rendez l'argent aux abonnés. Hein. Ah, voilà, waouh, il vient me montrer qu'on capture un Pokémon. Alors, ça, c'est un truc. Toujours exister un Pokémon. Toujours quelqu'un qui va t'apprendre à capturer un Pokémon. L'Enverfeuille, c'était un vieux crouton. Dans. Encore dans Heart Gold, Soul Silver, même hors argent. Cristal Lanc avec. T'avais possibilité qu'on te le montre, mais c'était pas obligé. On dit là, à chaque fois on te le rébarbe, c'est chiant. Dans la 3G, t'as ton père qui t'envoie un gosse pour que tu l'apprennes. Ensuite, dans la 4G, bah, t'as ton collègue de. Ton camarade, de, ton partenaire de glisse qui t'apprend. Dans la. 3. Non, 5G, en fait. 5G. On apprend déjà dans la 5G. Je m'en rappelle plus. 5G, j'ai pas fait. Enfin, j'ai fait, mais très peu. Là, je joue à Pokémon noir. Pokémon blanc. Ensuite, j'ai fait Pokémon. Noir 2, je l'ai même pas fini. J'ai revendu tellement que j'étais dégoûté du jeu. Un bon bug de texture, quand même, on va pas se cacher. C'est un petit bug de texture sympa par ici, mais on s'emballe. Après, c'est un émulateur ODS, c'est pas optimisé, c'est sûr. Enfin, pour la vidéo, c'est optimisé. Là, j'ai rien à dire, j'ai pas de lag, j'ai rien. Après, est-ce que ce serait optimisé H24? Je me pose la question quand même. Alors, évidemment, on devrait se laisser, mais vu qu'on est des fous, bah on peut choper un Pokémon. Oh, quel va être le premier compagnon de l'aventure? Oh, Lixie, c'est magnifique. Il sera une Lixie, même, c'est formidable. Oh là là, le beau jeu. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce que je ferais? Luxray ferait penser à quelqu'un. Enfin, ferait penser à peut-être quelqu'un. Après, le problème, c'est qu'on va faire des opérations chirurgicales dans cette Let's Play, dans ce Nuzlocke. Parce que on va rename des filles dans des Pokémon masculins, on va rename des mecs dans des Pokémon féminins. C'est que je trouve pas très, très logique. Je sais pas si le prochain attaque de charge, le mec a ou quoi. Écoutez, on est là pour le beau jeu. On est là pour le beau jeu. Alors, on va capturer, évidemment. Et boum, dans les boules. Alors, ok, faut pas qu'elle serve. Bon les gars, on va encore faire une opération chirurgicale parce que on va rename quelqu'un dans ce Lixie. Alors indirectement il me fait pas penser à Lixie, mais je trouve que sur un Luxray il aurait de la gueule. Après faut qu'il survive hein, évidemment. Je sais même plus si je suis une vidéo, mais on s'en bat les couilles. De toute façon je suis en ligne il y a pas si longtemps, d'ailleurs ma vidéo va mettre 20 millions d'années, je crois que ça va faire une semaine à peu près, une semaine voire deux que j'ai posté la vidéo retour et que j'ai toujours pas posté Pokémon un let's play de diamant ou même une vidéo sur LOL. Donc du coup voilà. Et là on a la chance d'avoir Kizaya avec nous sur un sexe très féminin. Alors du coup, là on va poser les balls, on va soigner les Pokémon, et puis on va se laisser les gars, on va se laisser malencontreusement d'après des millions d'années passées à ce rythme. Je sais que vous allez vous ennuyer. Bon, pas du tout. Mais genre, on va acheter des trucs aussi à la boutique. On va acheter des trucs. On va encore acheter des trucs et après on va se laisser. Alors, on est de nouveau à la boutique. Waouh, c'est beau. Ah, c'est grand. Waouh. Et puis, donc, on va acheter des balls. On va acheter 6 balls. Comme ça, on aura des balls. Alors, on a des potions. Si on a eu des potions, on va acheter 2 potions. On va acheter 2 potions. On s'en a pas mal ces potions. Par contre, les antidotes, antipara, j'en prends. On va prendre 3 antidotes, prendre un antipara, et puis on sera prêt à l'aventure. Hein. Évidemment, toujours être prêt à l'aventure hein, dans ce genre de jeu. Alors évidemment, là je fais le build, enfin je fais la chaîne de base, quoi, c'est la base. Donc les gars, c'est sur une magnifique route 202 que je vais vous laisser quand même. Hein. C'est magnifique, c'est une route 202, on se quitte là-dessus quoi, c'est magnifique. Ah, honnêtement, bon, allez, pour la peine. Je vais même pas bah, les couilles, si jamais le récurrent s'est mal passé, bah tant pis, ce sera dommage, hein, ce sera très dommage. Alors, on sauvegarde beaucoup de données, hein. C'est sûr que 21 minutes de jeu, c'est beaucoup de données. Alors, les gars, j'espère que ça vous a plu, c'était marrant, il y a des aléas du direct, c'est le beau jeu. Et donc du coup, on va se laisser là-dessus hein, quand même, hein. Donc sur ce, les gars. Bon après, je pense que vous avez remarqué quand même sur certains trucs, malheureusement, l'écran du haut était tiré.
parce que le cadre de Fabien n'est pas optimisé. Mais bon, c'est pas grave. Donc sur ce, les gars, je vous laisse. Ciao. À plus. À quelques années.